Bonsoir, il est 19h, Magie Jazzy YouTube, c'est parti. Heureux de vous retrouver comme tous les samedis soirs, je vous avais promis que je vous referais des tours du grand Harry Lauren tiré de son very best-of, et bien c'est ce que je vous propose ce soir. Magicien contre tricheur. À la base, c'est une idée originale du professeur Jacob Daly. Paul Le Paul en avait fait une version, Les Reines Timides, ça ne convenait pas à Harry Lauren. Il en a fait cette version-là, qui est juste géniale. Moi je l'ai un tout petit peu, enfin modifié, je ne l'ai pas modifié, je l'ai adapté pour que ce soit filmé sur table, mais ça marche très bien debout. Dans la description, je vous mets des liens vers le travail d'Harry Lauren, bien sûr, et puis vers CC Magic avec les promos, les jeux de cartes, etc. Enfin, tout ce qu'il vous faut pour faire de la magie. Gué Jeu, ce soir, nous propose Faux Culte. Alors, tenez-vous bien, c'est un jeu qui se joue de 2 à 42 joueurs, et plus, en fait, à partir de 14 ans et plus, et les parties durent en moyenne 20 minutes. Les plus du jeu, eh bien c'est un jeu improbable de mauvaise foi sur des films célèbres. Parfois ça fait du bien d'entendre du mal des films que l'on n'aime pas. Et enfin, c'est un nombre de joueurs illimité, c'est le plus rapide qui gagne la carte. Bon, si vous voulez des précisions, www.guyetjeu.fr, les boutiques vous les connaissez, appelez-les. Niveau actu, pareil, je vous mets les dates de mes passages à la Maison de la Magie dans la description. Et puis n'oubliez pas, le 19, la conférence, le 20, le spectacle, présence de Richard Marcus, donc ne loupez pas ça. Je vous laisse avec ce tour du grand Harry Lauren, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, un bon samedi soir, et je vous dis à samedi prochain bien sûr. Ciao. Alors pour ce soir donc, de nouveau, un tour du grand Harry Lauren, magicien contre tricheur. Bah oui, c'est l'histoire d'un tricheur qui rencontre un magicien, et le tricheur le met au défi. Le mot défi de couper en fait sur 4 cartes identiques. C'est-à-dire qu'en gros, de couper sur un carré. Le magicien dit ok, pas de problème, on va essayer ça. Donc il dit je coupe une première fois, je vais couper 3 fois, hein, d'accord. Une deuxième fois, une troisième fois. Et voilà. Premier roi, d'accord. Ouais. Le tricheur lui dit ok, d'accord, très bien. Il dit attends, je te le refais, hein, je coupe une première fois, tac, deuxième fois, troisième fois, et là, tac, deuxième roi. Ah ouais, il dit c'est ok, c'est fort. Il dit pas de problème, on va te le refaire, je te le refais troisième fois bien sûr. Troisième fois, tac, je coupe une fois, deux fois, trois fois, et là, de nouveau, un roi. Le tricheur commence à se dire ah ouais, le magicien est fort, ouais, le magicien est quand même super fort. Il dit une dernière fois parce que c'est bien, mais il nous faut le carré. Il lui dit pas de problème, regarde, tac, je coupe une fois, deux fois, trois fois, et là, ah. Le tricheur lui dit bah ouais, eh ouais, donc tu vois, t'as pas réussi ton coup. Ah non, mais il lui dit attends, je t'ai dit que je coupais une fois, deux fois, trois fois, etc. Mais je t'ai pas dit que je couperais forcément sur un carré de roi. Ben non. Je peux très bien aussi couper sur, par exemple, le carré de 4. Ça, c'est bien. Ah, tricheur mystifié. Et le magicien, pour lui montrer que vraiment, vraiment, c'était le plus fort, il lui dit, je te rassure tout de suite, regarde. Si on vérifie, le premier roi, en fait, il est sous la boîte. Eh ouais. Quant au deuxième, oh, le deuxième, t'inquiète pas. Le deuxième, en principe, il est au milieu du jeu. Ah, tu veux le troisième? Ben écoute, le troisième, c'est très très simple, regarde bien. Toc, il est tout simplement ici sur la boîte. Et quant au dernier, on va faire un peu de place. Mais le dernier, écoute bien. En fait, le dernier est tout simplement dans la boîte. Voilà. Comme quoi, parfois, le magicien est plus fort que le tricheur. Bonne soirée.